Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une des activités de notre entreprise de débarras, qui est l'activité de démolition de cloisons de murs non porteurs. Donc là, on est dans le cadre d'une démolition de deux cloisons, donc il y en a une autre, là on va dire trois, et qui vont permettre, une fois démolie et l'appartement rénové, de faire un grand salon cuisine moderne. Parce que là, donc c'était dans le cadre d'une rénovation d'un appartement qui était assez ancien. Et comme ça se faisait bien avant, il y a beaucoup de petites pièces. Et sauf que maintenant, on aime bien, disons, la mode est d'avoir un grand espace ouvert, hein, mixte, qui fait souvent salon, cuisine et voilà, séjour. Donc notre entreprise, elle intervient de partout, dans les grandes villes comme en campagne. On se déplace pour faire les devis, on peut les faire aussi par photo. On s'adresse à toutes les personnes, particuliers, professionnels, les particuliers qui font de la location, les collectivités. Donc là, je vais vous montrer en détail. Donc là, on a démoli une partie et on va finir ça aujourd'hui. Donc, comme je vous montrais, comme je disais, c'est de la brique plâtrière, comme on le voit. Donc là, ça va assez vite à démonter. On fait ça proprement. On fait ça avec le minimum de bruit, avec des outils adéquats. Et surtout, on fait attention à ne pas donc endommager les appartements, les immeubles, l'immeuble. Parce que, par exemple, voilà, certains iraient à grands coups de masse. Et le risque avec les vibrations, c'est que ça fissure le placo qui a été refait dans l'appartement en dessous. Donc nous, on fait vraiment attention à ça, on fait attention à pas faire n'importe quoi. Et ça permet aux propriétaires qui ont du mal à trouver des entreprises pour faire de la petite démolition comme ça, parce qu'il y a les plaquistes préfèrent donc poser plutôt que faire la démolition, surtout pour des petits espaces comme ça. Pour des petits chantiers, donc c'est pour ça que notre entreprise elle est assez sollicitée et on intervient dans pas mal de cas de figure, qu'importe le nombre d'étages, si c'est en maison, en appartement. On fait aussi du décloisonnement de caves, de greniers, donc souvent c'est des cloisons en bois. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette activité. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins, des devis, ouais, des devis. N'hésitez pas, allez à bientôt, au revoir.